tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a reçu une petite commande Shein. C'est ma maman qui a acheté, principalement pour le baptême de mon neveu. Mais du coup, il fallait compléter. Alors, je vais vous présenter tout de suite. Il y a une tenue pour Morgane, il y a une tenue pour moi, il y a une tenue pour Tiffania. Morgane pourra... Non, ben regarde, mamie, elle s'en est chargée. Morgane pourra l'essayer et je vous la montrerai en direct live. Je pourrai l'essayer également la mienne pour vous montrer en direct live. Et Tiffania vous montrera plus tard que je rajouterai. Voilà, voilà. Donc, je commence par un truc que tu me donnes. Ça. Qui c'est? En fait, non, je t'ai pas appelé. C'est un spray double emballage. Ce ne sera pas une grosse vidéo. Double emballage, c'est un spray pour mettre de... Vous pouvez mettre de l'huile ou quoi que ce soit d'autre dedans. Moi, je vais mettre de l'huile. Et c'est pour mettre sur les aliments et tout ça. Parce que je compte acheter de air fryer. Et du coup, ça, même sans air fryer, ça va me servir pour mettre sur les salades, pour ne pas mettre trop, pour sprayer dans le truc et tout ça. C'était pas très cher, ça devait coûter 2 ou 3 euros. Donc voilà, un petit spray. On va commencer par Morgane. Morgane, du coup, on a pris cette robe-là. Donc vous voyez ce que ça rend là. Vous allez certainement voir le prix. Moi, je ne m'en souviens plus. On l'a pris en 4 tailles, en taille S. C'est elle qui a choisi. Moi, j'ai rien choisi du tout. C'est eux qui ont fait leurs achats. Alors, la matière. La matière semble assez légère. Est-ce qu'on voit à travers? Non, ça va. On verra. Donc, vert kaki, comme ça, robe bustier extra court, ma fille. Waouh. C'est pas grave. Moi, je m'en fiche personnellement. Donc voilà, une robe bustier avec un petit... ici, en fait, il y a plus de matière pour les tototes. Elle est quand même assez courte. Hein. Quand je sais qu'elle est comme ça, là, comme ça. Juste comme ça, bah, viens ici. Bon, ça va. Ça va. Mmh. On verra. Tu vas essayer? Bah ouais. Bah tu peux l'essayer là. Hein. T'es là, il n'y a personne qui te voit. Alors, elle va l'essayer et je vous reprends après. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, elle est jolie, mais je trouve que ça fait bizarre ici. À ce niveau-là. On dirait que c'est mal coupé. Ou alors, t'as pas d'assez gros seins. Soit l'un, soit l'autre. On va le donner à marraine. Et marraine, elle rentre pas. Hein. Tourne. Morgane, tu peux tourner et rester dans le champ? Merci. Voilà, tes cheveux, on s'en fout. Oui, elle a laissé son soutif. Il y a un défaut, il y a un petit fil qui dépasse juste là. Bon, ça, c'est rien, ça. Il faut juste couper. Mais ouais, je sais pas. Ah, tire pas! Je tire pas. Je sais pas, la coupe, elle me semble bizarre. Ça fait joli, hein. J'ai pas l'habitude de l'avoir en vert kaki, en plus. Tourne. Tu peux enlever tes mains, t'es pas à la messe. Hein. Fais une pause. Allez, fais une pause. Non. Donc voilà pour la première robe. Ça te va toi ou pas? Ouais. Écoutez, à elle, ça lui va. Donc voilà. Ça, c'est la mienne. Je l'ai pris en 2XL. Alors oui, je le répète, hein, ne vous fiez pas aux tailles sur Internet. Fiez-vous au centimètre. Voilà. Donc, c'est dans la gamme Shein Curve. Ah oui, je me souviens. Moi, je vous aurais mis la photo. Hein. Alors, c'est une construction de robe en deux temps. Vous avez ceci qui vient pour les roploplos. Et ensuite, vous avez la robe qui vient tout en dessous. Les motifs floraux comme ça, ce sont des fleurs de lys avec du branchage, des formes géométriques. C'est du rose pétant. Et du coup, je vais l'essayer. Je vais vous montrer. La texture, elle est assez fluide. Elle sont... Non, elle ne va pas être transparente. Mais c'est bien, c'est assez fluide. J'aime bien. Ce n'est pas, pas une matière maillot de bain. Voilà, ça c'est cool, cool, cool. J'essaye ça. Et du coup, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, moi, vous êtes posé sur les escaliers. Hein, vous n'êtes pas posé ailleurs. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est le dos. Je sais pas, j'aime bien, mais je sais pas. Ouais, je suis en chaussette.
Voilà. Avec des talons, ça ferait ça à peu près. Ça fait joli, hein. J'aime bien, c'est les deux bandes à l'arrière, j'aime bien. Ouais. Faut pas spécialement être taille S pour mettre ça. Ça va, ouais. Ouais. Je demanderai à un monsieur, ouais, elle est échancrée ici, jusqu'en haut de la cuisse. Moi, ça me dérange en aucun cas. Mais... Vous n'avez pas peur du bordel, de toute façon. C'est bon, on voit pas. J'avais peur qu'on voit, mais non, on voit pas. Je vais essayer de vous mettre ça dans le meuble. Voir ce que ça rend. Comme ça, ouais. Là, c'est le dos. Elle mérite encore un bon 5 kilos en moins. Mais c'est possible, c'est possible. C'est seulement fin ou hein, le truc. Ouais. Mais non, ça me va. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Faut juste me recoiffer. Voilà. Cosa. Oh là là, les cheveux. C'est une cata. Non mais. C'est parce que j'ai fait des huit gougouilles hier dans mes cheveux. Mais en me recoiffant un petit peu. Make-up approprié. Ouais, du coup, ça revient même, je le sais, mais make-up approprié. Ici, vous voyez, il y a une petite forme. Ça fait un V comme ça, mais ça part en triangle juste ici. Il y a ici pour mettre les tétons qui ne sont pas dedans. On n'a pas tous la même poitrine. Mais ouais, je trouve ça très joli. Et vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez avoir un plus gros derrière que le mien, ça passe. Voilà. En fait, je pense même que la taille en dessous, ça aurait été. Parce qu'étant donné que ce n'est que des lacets comme ça, là, des bandes comme ça, ça aurait pu le faire. Donc, voilà. Du coup, je garde pour la fin de vidéo. J'espère qu'on m'entendra. Je vais regarder. Bon, c'est bon, on entend. C'est le principal. Du coup, je l'ai gardé, j'enlèverai juste après. Et du coup, la dernière... On va faire quelque chose. Ah ouais, j'ai ça. Non, mais j'avais même plus. Je m'en souvenais même plus. Des petits trucs pour enlever le gel sur les ongles des pads. En fait, c'était pour compléter pour avoir les frais de port gratuits. Voilà. J'ai des pads comme ça. Pour les ongles. Voilà. Dans une petite boîte. Et du coup, la dernière, c'est celle de Tiffania. Donc, chez Shein Kids. Elle, on l'a pris en taille 9 ans. Elle est comme sa mère. Elle. La matière, c'est comme celle que j'ai actuellement. Elle va être légère. Donc, ça, c'est parfait. Vous aurez vu également la photo. Donc, alors. D'accord. En fait, c'est pas deux lacets qu'on va venir mettre derrière. C'est un lacet qu'on passe à l'arrière de la nuque. Et qu'on vient raccrocher au niveau d'un petit trou juste là que vous avez vu. Voilà, très bien. Donc ça, c'est le bustier. Voilà. Qui est de la même forme que la mienne en fait. Et après, vous avez la petite jupette qui est reliée au bustier. Voilà, mais écoutez, elle est très très jolie. J'aime beaucoup la moitière. J'aime beaucoup l'effet froissé en... plissé sur le bas qui donne un effet volant en fait. Voilà. Non, très très joli. Normalement, la taille, ouais, c'est comme moi, ça devrait aller. Là, à l'arrière, c'est élastique. Donc, même si ça ne le met pas, l'élastique tiendra. Et puis, c'est une petite bricole réglable. Voilà. On peut l'élargir s'ils ont un plus gros coup. Enfin, voilà. Donc voilà un petit peu la sélection et je vous laisse avec les essayages de Tiffany juste après. Bon, voici la robe portée, donc on fait abstraction de la pouillosité d'en haut là, mais elle est très très jolie. Alors là ici, ça se serre à ce niveau-ci, donc c'est un petit peu dommage que ça se voit, mais peut-être trouver un système. C'est un peu juste, pourtant c'est sa taille, hein, j'ai calculé. C'est un peu juste à ce niveau-ci. Là, derrière, c'est élastique. Donc, ça va.
Mais à ce niveau-là, c'est un peu juste en fait. Oh, sinon, ben là, hop, je vais me baisser un petit peu. Mais il y a de la place. Ah, L'élastique est bien, la robe, franchement, elle est bien. Remettez-vous là, madame, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà pour celle-ci. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce qu'on a pris. Si vous seriez capable de les porter. Non, mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. C'est intéressant d'avoir l'avis des gens. Même si on ne se réfère pas toujours à l'avis des gens, clairement. On aime bien voir le nôtre et on aime bien s'y tenir. Mais ça fait plaisir de temps en temps. Si c'est pour dire, ah, t'es trop grosse, tu peux pas porter ça, ben, tu peux le garder dans ton lit. Voilà. Tu peux dire oui, moi j'aurais préféré une autre forme pour ta morphologie, c'est tout à fait possible, hein. Chaque goût et chaque couleur sont différents, mais pour être négatif, ce n'est pas la peine, on s'en passe. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si tu ne sais pas quoi mettre, c'est le petit arc-en-ciel. C'est l'émoji de la chaîne. À t'abonner, à, si c'est toujours pas fait, si tu le désires. Du coup, je vous présente le reste parce qu'entre-temps, maman m'a envoyé quelques produits qu'elle avait achetés pour les enfants. Donc, je vais vous les montrer. Donc, en premier, maman a acheté une deuxième robe pour Tiffania. Alors, je ne saurais pas vous dire combien elle coûte ni quoi que ce soit parce qu'elle ne m'a rien dit. Il faudrait que j'aille sur son compte. Si je peux, j'irai. Si j'y vais et que je trouve, je vous mettrai la photo là et je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Donc, pour Tiffania, c'est une robe. Donc, elle est un tout petit peu trop grande. Vous allez voir à l'essayage. Mais elle a un petit accessoire avec. C'est un petit sac, comme ceci. Voilà. Avec des pompons en moumoute qui se ferment. Ah non, elle ne se ferme pas. Elle est juste élastique. Voilà. Et la robe, elle est comme ceci. Alors, ça va être une robe très légère. Voilà. Toute jaune, comme ça, quadrillée. Un peu vichyro jaune. Voilà. Et avec des bretelles autour du cou. Voilà. Comme ça. De toute façon, vous la verrez porter sur elle. Elle est très très jolie. Elle est longue. Elle est contente parce qu'elle vole quand elle tourne. Et franchement, ouais, elle va être très légère. Je pense que ça va lui aller. Et je pense même que l'année prochaine, ça lui ira encore. Voici du coup l'autre robe que maman a achetée. Donc, robe jaune, vous voyez, avec la petite poche ici. Le petit sac juste ici. La robe est très très jolie. Elle n'est pas trop... Peut-être un chouïa grand, mais franchement, ça va nickel. Parce que ce n'est pas flagrant qu'elle est un peu trop grande. Ça passe. L'année prochaine, elle ira encore. Mais par contre, d'ici 2 ans, c'est tout. Mais elle est très jolie. Elle est très solaire, en fait. Très, très estivale. Voilà. Oui, tu peux tourner. Et en dernier... Pour Dragan, elle a pris un petit ensemble short maillot ninja. Donc ici, vous avez le short. Ça, c'est du neuf. Hein. La robe, c'est du quel âge? Il n'y a pas la taille. 11 ans. Ouais, c'est du 11 ans. C'est écrit sur le papier. Donc ça, c'était du 11 ans. Et ça, c'est du 9 ans. Donc c'est un t-shirt basique noir avec une tête de ninja sur le côté. Comme ça. Il est pas mal du tout. Franchement, quand il l'a porté, j'ai été étonnée. Parce que oui, ça, c'est les essayages ont été faits avant de filmer la vidéo. Vous verrez après. Et voici le short qui va avec. C'est une matière assez, assez lourde. Donc, je ne sais pas s'il ne va pas avoir chaud avec. Franchement, c'est assez épais. Je ne sais pas c'est quoi la matière. 95% polyester et 5% élastane. Donc, un élastique comme ça, c'est un short assez long et écrit Super Ninja sur le côté. Voilà. Là, c'est le short du coup que maman a acheté, enfin l'ensemble, avec le petit motif ici. Bon, je pense pas qu'il va rester éternellement, on le sent de toute façon à la matière. Mais il est très joli, ça lui va. Tu peux soulever un tout petit peu ton pantalon, s'il te plaît, merci. Donc voilà, oui, monsieur ne monte jamais ses pantalons, donc ça fait que c'est toujours des tailles basses hein, chez lui. Mais nickel, franchement nickel, la taille elle est bonne, parfait. Tu peux remettre correctement ton maillot, ça lui fait un ensemble très très bien. Je ne sais pas, je vais vous dire les prix, je vous l'ai déjà dit, donc voilà.
Mais il lui va très bien, donc voilà, j'étais contente, ça, et eux encore plus. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Dites-moi un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a le moins plu. Tous les goûts sont sur la terre. On ne peut pas avoir tous les mêmes goûts. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit arc-en-ciel si vous ne savez pas quoi mettre. Et puis du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!